chapitre arithmétique. Donc, plus précisément, c'est l'exercice numéro 23. Donc, on donne la suite U de N. C'est égal à quoi? Donc, c'est égal à 2 à la puissance N, plus 3 à la puissance N, moins le 6 à la puissance n moins 1. Moins 1. Moins 1. Montrer que pour toute n, u de n est pair. On veut montrer que pour toute n, u de n est pair. U de n est pair. Allez-y, comment on démontre qu'elle est pair? Comment on démontre qu'une suite, voilà, qu'une expression arithmétique est paire? Qu'est-ce qu'on fait alors? Le reste, modulo combien? Le reste, modulo 2. Donc, je passe au reste, modulo 2. Donc, 2 à la puissance n, congru à. Donc, 2, si vous voulez. 2 congru à 0, mode 2, combien? Mode 2 entraîne quoi? 2 à la puissance n congru à quoi? À 0, mode 2. OK? Et qu'est-ce que vous avez encore? Aussi 6 congru à 0, mode 2 entraîne quoi? Entraîne que 6 à la puissance n congrue à 0 mode 2. Et donc, 3 congrue à 1 mode 2. 3 congrue à 1 mode 2. Alors, congrue à moins 1. Ah non, congrue à 1 mode 2 entraîne que 3 à la puissance n congrue à quoi? Congrue à 1, mode 2 aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, donc, 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n, plus 6 à la puissance n, congrue à quoi? Congrue à 1, mode 2, entraîne quoi? Entraîne que 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n, plus 6 à la puissance n, 1, moins 1, congrué à 0, mode 2. Donc, ce qu'on nous vient déjà, c'est I de n. Hein? Donc, I de n congrué à 0, mode 2. Donc, I de n est pair. Donc, I de n est pair. C'est clair? Donc, I de n est pair. Donc, I de n est pair. I de n pair. La suite I de n est pair. La suite I de n est pair. Bien. Déterminer les valeurs de n pour lequel i de n congrue à 0, mode 3. Donc, c'est clair, hein? Ça me touche tout. Donc, maintenant, je passe à la question B. Donc, 2 à la puissance. Donc, 3 à 3 congrue à quoi? À 0, mode 3. Manette 3 à la puissance n congrue à combien? Congrue à 0, mode 3. Manette aussi 6 congrue à quoi? À 0, mode 3 entraîne quoi? 6 à la puissance n congrue à 0, mode 3. Hein? Qu'est-ce que vous avez? 2 congrue à quoi? Moins 1, mode 3. Manette.
2 à la puissance n congrue à moins 1 à la puissance n mod 3. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, 2, 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n. Alors, je commence par 2 si vous voulez. Donc, 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n, congru à quoi? Donc, congru à combien? À moins 1 à la puissance n, donc 3. Entraîne quoi donc? Entraîne que 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1 congru à moins 1 à la puissance n moins 1 moins 3. Ça entraîne quoi alors? Et c'est quoi? C'est i de n congru à quoi? À moins 1 à la puissance n moins 1 mod 3. Bien. Alors, la question déterminer les valeurs de n pour lequel u de n est pair. On a déjà fait. Déterminer les valeurs de n pour lequel u de n congrue à 0 mod 3. N pair. Tout à fait. Et qui veut faire le raisonnement? Tu fais mine n pair. Lekin le raisonnement, tu fais faire le Walid. Tu fais mine les n pair. Ok? Mais il y a le raisonnement, la rédaction. Il faut déterminer les valeurs de n. Et qu'est-ce que vous cherchez, Walid? Vous cherchez un ensemble. Et tant que vous cherchez un ensemble, qui veut faire le mal, il faut distinguer deux cas, mais je te remercie si seulement si. Alors que je distingue deux cas, pourquoi c'est 0,25? Il faut distinguer deux cas. Je te trouve un bas de 6 et seulement 6, sinon 0,25. Donc, maintenant, on le si. Alors, si n est pair, alors, u de n congru à quoi? Si n est pair. Donc, congru à 0, moins 3. Ouais, si n est impair, alors, u de n congru à quoi? Congru à 2, parce que moins 1, parce que comme vous voyez là, moins 1 à la puissance impaire, qu'est-ce qui nous donne moins 1 à la puissance impaire? C'est moins 1, et moins 1, moins 1, donc ça nous donne moins 2, bien sûr, hein? Ça nous donne donc moins 2, moins 3, c'est-à-dire que u de n congru bien sûr à 1, moins 3. Alors, conclusion. 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 I de n et n i de n congru tout à fait. Congru à 0. Mode 3 et quoi c'est le valide? Qu'est-ce que si. Et c'est le mot si. C'est-à-dire qu'on a distingué deux cas, ok? Donc, n et r. C'est clair, bien sûr. Je passe au deuxième mot. Donc, on donne l'ensemble. L'ensemble, e, c'est l'ensemble des nombres premiers qui divise au moins un terme de la suite que divise au moins un terme de la suite et de, on va essayer de chercher l'ensemble R. Soit P un nombre premier strictement supérieur à 3.
soit P un nombre premier supérieur strictement à 3. C'est clair? Petit a, montrer que 6 fois 2 à la puissance n moins 2, congru à 3 mode P. Et 6 fois 3 à la puissance P moins 2, congru à 2 mode P. Allez-y, comment on démontre ça? Donc, à la puissance P moins 2, hein, sans oublier que P équivaut à chaque et est un nombre premier, sans oublier que P est un nombre premier. Et tant que P est un nombre premier, vous êtes d'accord avec moi, tant que P est un nombre premier, donc comme vous connaissez, 2 à la puissance P moins 1, c'est congru à 1, donc P pourquoi? Parce que P est un nombre premier. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, en appliquant le petit théorème, bien sûr, le petit théorème de Fermat. Donc, les conditions du théorème de Fermat et tout le reste. Alors, donc l'autre question alors, est-ce que vous pouvez le mettre, toi le voulez, vous pouvez le P premier. P premier. Ça c'est clair. P premier. P premier. 6. Parce que je vais travailler sur 2 tout d'abord. 2 appartenant à quoi? À n. Les conditions du théorème de Fermat. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez le fait que P ne divise pas 2. Là, il faut expliquer. Hein, pourquoi P ne divise pas 2? P ne divise pas 2. Pourquoi? P n'est pas un diviseur de 2. Pourquoi? Elle rappelle que P n'est pas un diviseur de 2. Même si le nombre premier est de 2. Hein? Ah non, ça ne peut pas être 2. Hein? Pourquoi? Parce que tout simplement, P est supérieur à très très bien, car P supérieur strictement à combien? À 3. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Alors, 2 à la puissance P moins 1 congru à 1 mod P entraîne quoi? Donc, 2 à la puissance P moins 1 congru à 2 mod P. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça entraîne quoi ça tout d'abord? S'entraîne que 2 fois 2 à la puissance P moins 2. D'accord, là. Congru à quoi? Congru à 1. Congru à 1. Mod P. Ah. Non, 1 mod P. Pourquoi? Pourquoi Tesnim? Parce que, tout à fait. Parce qu'on est à la puissance P moins 1. À la puissance P moins 1, donc je vais l'être à la puissance P moins 1, je vais l'être 2 à la puissance 1, 2 à la puissance P moins 2. Et qu'est-ce qu'on fait, le blé, le blé? On multiplie à gauche et à droite, fois 3. On multiplie à gauche et à droite, fois 3. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que je trouve alors? Donc, 6 fois 2 à la puissance P moins 2, congrué à quoi? Congrué à 3. Ça, c'est clair, je pense. Et fini, non, c'est derrière la voilà. Bien. Maintenant, de même, on démontre que 6, de même, fois 2 à la puissance, fois 3 à la puissance, P moins 2, congru à 2, mode P. Moi, je prime de même ou non? Ça, c'est clair, manière. On fait la même chose, nous, par vous, vous avez compris. Bien sûr, l'année. Moi, je prime à la de même, je peux avancer. L'année, P supérieur strictement 3. Donc, maintenant, P ne divise pas 3, supérieur strictement, le blé, le blé, supérieur strictement. Donc, de même, je fais les 3 à la puissance P moins 1, je fais les 3 fois 3 à la puissance P moins 2, et je multiplie fois 2 à gauche et à droite, et ça va bien passer, bien sûr. Maintenant, je passe, c'est clair, hein? Je passe aux dernières questions de notre exercice. On déduire que 6 fois U de P moins 2 congrue à 0
monte 6. Et voilà, c'est la dernière question, l'avant-dernier, parce que vous avez la question 5 qui se trouve dans notre page. Et donc, on déduit que 6 fois U de P moins 2, c'est congrué à 0 moins P. Et allez-y, donc, comment on démontre ça? C'est quoi tout d'abord U de P moins 2? C'est quoi U de P moins 2? Ouais, la question, c'est quoi 6 fois U de P moins 2? كما تكتب التسليم ليش نعمل؟ دونك كما التسليم أنس دونك 6 6 تو دابور 6 فوا اي دو بي موان 2 ايجال اكوا مون امي؟ بان سيت ايجال سيت ايجال نو 2 2 Je commence par 2, bien sûr. 2 à la puissance. P moins 2, A fois 6, bien sûr, handicap. Donc 6 fois 2 à la puissance P moins 2, tout à fait, plus 6 fois 3 à la puissance P moins 2, on remplace le N par P moins 2, on multiplie fois 6, c'est slim. Donc plus 6 fois 6 à la puissance P moins 2, choyez, moins 6. Donc vous avez l'expression de 6 fois U de P, 6 fois U de P moins 2. Et qui est égal à quoi cette expression? Donc c'est égal à 6 fois 2 à la puissance P moins 2. Donc plus 6 fois 3 à la puissance P moins 2 aussi. Plus 6 à la puissance P moins 1, moins 6, c'est clair, moins 6, donc vous avez l'expression dernière, moins 6, c'est clair pour tout le monde, donc vous avez l'expression de 6 fois U de P moins 2, aïe, la voulait de l'ugnette, je suis en arf, narf, et les 6 fois 2 à la puissance P moins 2, congrue à quoi? Congrue à 3, mode P, je suis en arf, 6 fois 3 à la puissance P moins 2, congrue à quoi? Congrue à 2 moins P. Où sont là? 6 à la puissance P moins 1. Ah, mon arf, je congrue à quoi? Hasbrek congrue à quoi? Attends, 6 à la puissance P moins 1. 6 à la puissance P moins 1 congrue à quoi, mon P? ايش راح تنتهي كيك اسلي دونك باش تبقى لنا سليم بقى لنا 6 على بوسونس بي موانز 1 كيفاش نشوفوا دونك كيفاش نطلعوا الريست دو 6 على بوسونس بي موانز 1 مود بي بيان سور ان اوتيليزون كيما كنت تحكي لي ان اوتيليزون لو تيوريم de Fermat, donc P premier donc 6 appartenant à N ouais P ne divise pas 6 d'après les trois conditions romaines, donc d'après le petit théorème de Fermat le petit théorème de Fermat qui m'a l'occurrence l'école pour le maximum de Fermat n'en a 6 à la puissance P moins 1 congru à 1 mod P. Ok, donc quel est le mot de l'école 6 fois 2 à la puissance P moins 2 plus 6 fois 3 à la puissance P moins 2 plus 6 à la puissance P moins 1 moins 6 congru à quoi? Congru, donc, elle est congru à quoi? Qu'elle n'est pas en slip. Elle est congru à quoi? Elle est congru à 3. Donc, elle est très bonne. Elle est 3. واللي من بعدها البنات ولا ولاد 2 2
هنالك 1 موان 6 مود بي. هذاك كيفاش طلعها سليم ملي كطلعها مونتالمون. اوكي دونك كيس كون تروف يا البنات والولاد دو سي كوا سا. دونك 6 فوا اي دو بي موان 2 كونغرو ا 0 مود بي كونغرو ا 0 مود بي. سي كلير 6 fois i de p moins 2 congru à 0 moins 2 p. Congru à 0 moins 2 p. C'est clair? Donc je passe à la page 3. Qu'est-ce qu'on demande? On demande là. Le nombre. P appartient-il à l'ensemble? Le nombre P appartient-il à l'ensemble? 1 Le nombre P appartient-il à l'ensemble? Quand est-ce que P appartient à l'ensemble? Hein? Lorsque P divise l'un des termes. Et alors, les deux lignes, est-ce que P divise l'un des termes dans notre cas? Bon, il faut montrer que P divise l'un des termes. Comment on démontre ça? Il faut montrer que P divise l'un des termes. Et d'après nous, ce qu'on a démontré, P divise quoi? P divise E de P moins 2. Et donc, P est un élément de l'ensemble. L'ensemble du diviseur premier des termes de la suite. Vous avez compris? Je comprends que P divise E de P moins 2. Hasma chauffeur. P divise 6 fois E de P moins 2. P divise 6 fois E de P moins 2. P divise 6 fois E de P moins 2. Donc, ça ne divise pas 6. P ne divise pas 6. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Il y a un tableau qui est ici seulement aussi. On a un substance vert. Donc, l'aime de gauche, il y a un théorème de Gourme, de Fermat, enfin, il est en train de faire la troisième année, vous avez compris. Donc, c'est très simple. Donc, je suis en colo, P, P. Alors, 6 fois U de P moins 2. Congré à quoi 6 fois U de P moins 2. Congré à combien? Congré à 0. Mode P. Entraîne quoi ça? Entraîne que P est divisé combien? 6 fois E de P moins 2. Ok? Manette. Et qu'est-ce que vous avez encore? P ne divise pas 6. P ne divise pas 6, qui est le théorème directement d'un nombre premier. Et maintenant, quand vous avez P, vous avez un problème de gauche. Non, manette. Vous avez 6. Et P sont premiers entre eux. Pourquoi ces P sont premiers entre eux? Car P premier, bien sûr, d'accord, et P supérieur strictement à 3. Que tous les nombres premiers supérieurs strictement à 3, mais je me conviens 5 et ainsi de suite, vous avez compris. Ou alors, moi, je vois le PGD, mais bien sûr, pour B6, il y a Tina, bien sûr, 1. Car P, c'est un nombre premier supérieur strictement à 3. C'est clair? Donc, d'après le lemme de Gauss, P est divisé U de P moins 2. Ok? Donc, tout simplement. Donc, le nombre premier P divise l'un
des termes de la suite. Donc, P est un élément de l'ensemble. P, c'est quoi, donc, dans notre cas? Le nombre primit qui divise au moins un terme et de n. Donc, divise au moins un terme et de n. Et, de cette façon, Nejmukulu-NDP est un élément de l'ensemble. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dans cet exercice. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est clair? Donc, l'exercice numéro 26 dans notre série. Donc, montrer que pour toute n appartenant à n, 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 mode 3, ça c'est évident, vous êtes d'accord avec moi? Donc, 4 congru à quoi 4? Donc, l'exercice 26, bien sûr. Donc, 4 congru à A mode 3 entraîne quoi? Entraîne que 4 à la puissance n congru à 1 mode 3 entraîne quoi? Donc, 4 à la puissance n moins 1 congru à, bien sûr, à 0 mode 3. Ça, c'est évident. Je passe à l'autre question. Donc, comment on démontre que 4 à la puissance 28 moins 1 congru, donc congru bien sûr à, ok, congru à, bien sûr à, donc congru à 0, et là on va utiliser le théorème de, bien sûr on utilise le théorème de Fermat. Donc, 29 est premier, 29 premier, comme vous connaissez bien sûr, ou 29, ou, voilà, donc, qu'est-ce que vous avez? 4 appartenant à N, et bien sûr, 29 ne divise pas 4. D'après le petit théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, donc 4 à la puissance 29 moins 1 congru à combien? Congru à 1 mode 29 entraîne quoi? 4 à la puissance 28 congru à quoi? À 1 mode 1. Et donc, 4 à la puissance 28 moins 1, 4 à la puissance 28 moins 1 congru à 0 mode 29. Voilà. Maintenant, je passe à l'autre question. Donc, l'autre question, Alena. Montrer que pour toute n appartenant à n, 4 à la puissance 4n moins 1 congru à 0 mode 17. Congru à 0 mode 17. Donc 4 à la puissance 4n. Donc 4 à la puissance 4 congru à quoi? 4 à la puissance 4 mode 17. Donc, c'est congru à quoi? En utilisant 16, voilà, quelques montants. Donc, mode 1, 4, la puissance 4, je divise par 17, et donc, donc, le reste, comme vous voyez là, le reste de la division euclidienne, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 4
par 17, ça nous donne 1. Et de cette façon, je n'ai pas le même. 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n, congru à 1 moins 17, ça nous donne quoi donc? 4 à la puissance 4n, congru à 1 moins 17. Ça entraîne quoi? 4 à la puissance 4n, moins 1, congru à 0 moins 17, bien sûr. Et voilà donc. Déterminer les valeurs de l'entier naturel n, telles que 4 à la puissance n, moins 1, congrue à 0, moins 5. L'autre question, donc, quatrièmement, quand est-ce qu'il y a 4 à la puissance n, moins 1, congrue à 0, moins 5. Et donc, Walid, 4, c'est congrue à quoi? À moins 1, moins 5. Draine quoi? C'est 4 à la puissance n, congru à combien? À moins 1, mod n, mod 5. Et donc, 4 à la puissance n, moins 1, congru à combien? À moins 1 à la puissance n, moins 1, mod 5. Et donc, quand est-ce que je mets 1? Hein? Si n est pair, l'ADA, bien sûr. Si. Alors, on a l'air déterminer les entiers naturels. Donc, déterminer l'ensemble des entiers naturels. Et là, à l'école, il faut distinguer deux cas. Si n est pair, alors 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 5. Aussi, n est impair. Alors, 4 à la puissance n moins 1. Donc, ça devient quoi? Donc, si n est impair, ça nous donne moins 1, ma collègue. Moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est congru à quoi? Donc, congru à moins 2, mode 5. Et donc, c'est congru, si on ajoute 5, c'est congru à 3, mode 5. C'est clair? Par suite. Et donc, 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 mod 5. Si et seulement si slim, n est pair. C'est clair pour tout le monde? Bien. On déduit le dernier question de notre exercice. On déduit de ce qui procède 4 diviseurs premiers de 4 à la puissance 28 moins 1. OK. Tout à fait, blarb al-qbal. OK. Donc, c'est très, très simple. Donc, blarb al-qbal, je remplace. Donc, premièrement, 4 à la puissance n. 4 à la puissance n, congru à quoi? À 1. Ou 4 à la puissance n, pardon, moins 1. Moins 1, congru à quoi? Congrès à 0, mode 3.
OK? Et si je remplace le n par quoi? Par 28. OK? Qu'est-ce que je trouve? Elle est dans le même ligne, si vous voulez. Pour n égale à 28, on a, pour n égale à 28, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez 4 à la puissance 28 congru à 0 mod 3. Donc, 3, ah non, 4 à la puissance 28 moins 1, bien sûr, moins 1, congru à 0 mod 3. Donc, 3 divise combien? Bien sûr, 4 à la puissance 28 moins 1. Bien sûr, 3 est un diviseur premier. Ben, n'est-ce pas? Deuxièmement, déjà, 29. Donc, 4 à la puissance 28 moins 1. Congru à combien? À 0, mod 29. Donc, pour n, non, qu'est-ce que vous faites? Donc, pardon, donc, hein, qu'est-ce que vous avez? Donc, tout à fait, donc, 29, ils disent combien? Donc, ils disent 4 à la puissance 28. Moins 1. OK? Montrer que pour toute n appartenant à 1. Donc, la troisièmement maintenant. D'après troisièmement, 4. 4n moins 1. Congru à quoi? À 0. Mod 5. Pour. Point virgule. Pour. N égale à combien? N égale à 7. On a donc 4 à la puissance 28 mod 7. Tout à fait. 4 à la puissance 28 moins 1 congru à 0 mod 17. Et là, ça entraîne quoi? Ça entraîne que 17 divise combien? 4 à la puissance 28. Aussi, qu'est-ce que vous avez? Donc, les trois diviseurs. Le mien a quand même le diviseur premier. 3. Nous allons le diviseur premier. Donc, 4 à la puissance n congru à au moins moins 1 congru à moins 1 congru à 0, mod 5. Et qu'est-ce que vous avez encore? N, lorsque n est pair. OK? Donc, point virgule pour. Donc, pour n, un nombre pair, donc c'est 28 qui pair, hein? Donc, pour n égale à 28, qui est pair, ma collègue, qui est pair, on a 4 à la puissance 28 moins 1, congru à combien? À 0, mod 5. Entraîne quoi? Entraîne de combien que 5 divise 4 à la puissance 28 moins 1. Donc, les 4 diviseurs premiers, donc, les 4 diviseurs premiers de, les 4 diviseurs premiers de combien? De 4 à la puissance 28 moins
moins 1 sont... Donc, je connais la lettre. Donc, à la chose, 3 sont 3. بعدها شنو عندنا؟ دونك اتوندي بعدها 29 نحطهم بار اوردر احنا اوكي؟ بعدها 5 الاخرانية بعدها 5 بعد 17 وبعد 17 وبعدها 29 اوكي؟ فوالا دونك تو سكو جي دونك 7 اكزرسيس فوالا دونك ليكزرسيس نيميرو 26 دون نوتر Si. Donc, montrer que pour toute n appartenant à n, 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 3, ça c'est évident, vous êtes d'accord avec moi. Donc, 4 congru à quoi 4. Donc, l'exercice 26, bien sûr. Donc, 4 congru à a moins 3. Entraîne quoi? Entraîne que 4 à la puissance n congru à 1 moins 3. Entraîne quoi? Donc 4 à la puissance n moins 1 congru à, bien sûr, à 0 moins 3. Ça c'est évident. Je passe à l'autre question. Donc, comment on démontre que 4 à la puissance 28 moins 1 congru, l'année à Tiger, donc congru bien sûr à. Ok, congru à, bien sûr à. Donc congru à 0. Et là, on va utiliser le théorème de. Bien sûr, on utilise le théorème de Fermat. Donc, 29 est premier. 29 premier, comme vous connaissez bien sûr, ou 29 ou voilà, donc qu'est-ce que vous avez 4 appartenants hein? Et bien sûr 29 ne divise pas 4. D'après le petit théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, donc 4 à la puissance 29 moins 1 congru à combien? Congru à 1 moins 2, 29 entraîne quoi? 4 à la puissance 28 congru à quoi? 1 mode 29. Et donc 4 à la puissance 28 moins 1 4 à la puissance 28 moins 1 congru à 0 mode 29. Voilà. Maintenant je passe à l'autre question. Rafam aussi, je voyais. Donc, l'autre question. Alena, montrer que pour toute n appartenant à n, 4 à la puissance 4n, moins 1 congru à 0, moins 17. Congru à 0, moins 17. Donc 4 à la puissance 4n. Donc 4 à la puissance 4. Congru à quoi? 4 à la puissance 4. Moins 17. Donc c'est congru à quoi? En utilisant 16 pour le commentaire. Donc, mode 1, 4, la puissance 4, là, je divise par 17, et donc,
Donc le reste, comme vous voyez là, le reste de la division euclidienne, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 4 par 17, ça nous donne 1. Et de cette façon, je n'ai pas le 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n, congru à 1 moins 17, ce qu'on gagne quoi donc 4 à la puissance 4n congru à 1 moins 17. Ça entraîne quoi? 4 à la puissance 4n moins 1 congru à 0 moins 17, bien sûr. Et voilà donc. Déterminer les valeurs de l'entier naturel n telles que 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 5. L'autre question, donc, quatrièmement, quand est-ce qu'il y a 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 5? Et donc, Walid, 4, c'est congru à quoi? À moins 1 moins 5. On draine quoi? C'est 4 à la puissance n congru à combien? À moins 1 moins n moins 5. Et donc, 4 à la puissance n moins 1 congru à combien? À moins 1 à la puissance n moins 1 moins 5. Et donc, quand est-ce que je mets 1? Hein? Si n est pair, l'ADA, bien sûr. Si, par exemple, déterminer les entiers naturels. Donc, déterminer l'ensemble des entiers naturels. Et là, tu vas à l'école, il faut distinguer deux cas. Si n est pair, alors 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 5. Aussi, n est impair, alors 4 à la puissance n moins 1, donc, ça devient quoi? Donc, si n est impair, ça nous donne moins 1, ma collègue. Moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est congru à quoi? Donc, congru à moins 2, moins 5. Et donc, c'est congru, si on ajoute 5, c'est congru à 3, moins 5. C'est clair? Par suite. Et donc, 4 à la puissance n moins 1 congru à 0 moins 5, si et seulement si slim n est pair. C'est clair pour tout le monde? Bien. On déduit la dernière question de notre exercice. On déduit de ce qui procède quatre diviseurs premiers de 4 à la puissance 28 moins 1. OK. Tout à fait, Blair Balakbal. OK. Donc, c'est très, très simple. Donc, Blair Balakbal, je remplace. Donc, premièrement, 4 à la puissance n. 4 à la puissance n
congrue à quoi? À 1. Oh, 4 à la puissance n, pardon, moins 1. Moins 1. Congrue à quoi? Congrue à 0, moins 3. OK? Et si je remplace le n par quoi? Par 28. OK? Qu'est-ce que je trouve? Elle est dans la même ligne, si vous voulez. Pour n égale à 28, on a, pour n égale à 28, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez 4 à la puissance 28 congru à 0 moins 2, 3. Donc, 3, ah non, 4 à la puissance 28 moins 1, bien sûr, moins 1, congru à 0 moins 3, donc 3 divise combien? Bien sûr, 4 à la puissance 28 moins 1, bien sûr, 3 est un diviseur premier. Benesba, deuxièmement, déjà, 29. Donc, 4 à la puissance 28 moins 1. Congrès à combien? À 0, moins 29. Donc, pour n, non, qu'est-ce que vous faites? Donc, pardon, donc, hein, qu'est-ce que vous avez? Donc, tout à fait, donc. 29, ils disent combien? Donc, ils disent 4 à la puissance 28 moins 1. OK? Montrer que pour toute n appartenant à 1, donc la troisième maintenant. D'après troisième, 4. 4n moins 1 congrès à quoi? À 0, mode 5 pour point virgule pour n égale à combien? N égale à 7, on a donc 4 à la puissance 28, mode 7, tout à fait, 4 à la puissance 28. Moins 1, congru à 0, moins 17. Et là, ça entraîne quoi? Ça entraîne que 17 divise combien? 4 à la puissance 28, moins 1. Aussi, qu'est-ce que vous avez, Ejman? Donc, les trois diviseurs dans Hadaltawa, le mina kadesh, le diviseur premier. 3, nous allons le diviseur premier, ouest. Donc, 4 à la puissance n congrue à au moins moins 1, congrue à moins 1, congrue à 0, moins 5. Et qu'est-ce que vous avez encore? N, lorsque n est pair. OK? Donc, point virgule pour. Et là, j'ai 5 le temps à faire. Donc, pour n, un nombre pair, je vais mettre. Donc, c'est 28 qui pair. Hein? Donc, pour n égale à 28, qui est pair, ma collègue, qui est pair, on a 4 à la puissance 28 moins 1, congrue à combien? À 0, mode 5. Entraîne quoi? Entraîne de combien que 5 divise 4 à la puissance 28 moins 1. Donc, les 4 diviseurs premiers, donc, les 4 diviseurs
Premier. Deux. Le 4 divisé le premier, de combien? De 4 à la puissance 28 moins 1 sont. Donc, je connais la boulette. Donc, à la haja, 3 sont 3. Bada, je n'ai pas un. Donc, attendez, bada 29. Nous attendons par ordre, ok? Bada 5, le frère. Bada 5. Bada 17, bada 17, bada 29. Ok? Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai dans cet exercice. Voilà. Donc, la première question de notre exercice. Donc, A, c'est égal à 7 à la puissance 2009, 2010, 2011. Discuter suivant les valeurs de N. Question trop, trop classique. Discuter suivant les valeurs de N. Discuter suivant les valeurs de N. Le reste, hein, de 7 à la puissance N, modulo 100. C'est une question très simple, vous avez compris. Très habituelle, vous êtes d'accord avec moi. On a fait pas mal de fois le cours. Auquel me trouve je maintenant. باش نقل حسب ما كانوا كنتوا تحكيوا لي تويكا اوكي باش نحاول نربح الوقت دونك باش نحط الريست ديريكتومون كيما قلتوا لي ثم واحد خدمها ديجا 7 على بوسونس ان كونغرو ا كوا دونك واحده من البنات ملت عليا لي ريست وانا باش نحطهم بور غاني دو طون دونك سي كونغرو ا مود 100 كونغرو ا 7 mode 100 ou congrue à 49 mode 100 et congrue à 43 mode 100 donc vous avez les restes possibles donc vous avez les restes possibles et voilà donc si n si n égale à 4p Si je veux dire que n égale à 4p, entraîne que n, congrue à 0, mode 4. Bien sûr, si n égale à 4p plus 1, c'est-à-dire n congrue à combien? À 1, mode 4. Si n congrue à 4p, plus 2, ok, ou n congru à 2 mod 4, si n congru à combien? À 4p plus 3, ou encore n congru à 3 mod 4, vous voyez, plus technique, à 7, les restes possibles à 7 à la puissance. N ou qui m'a dit que tout le monde reste, tout le monde 3, et il y a sous forme de 7 à la puissance N. Tout le monde 3, et il y a sous forme de reste à la puissance N. Ouais. On déduire qu'il existe A, tel que A égale à 100K moins 1. Il existe K tel que A égale à 100K moins 1. Bien. Donc, qui a dit 2009, 7 à la puissance 2010, 7 à la puissance 2011, on a besoin d'un calcul de contrôle 2010. C'est l'examen contrôle Achahir. Contrôle 2010, il fait formule lundi formule. Ok, il fait lundi formule classique. Là, on peut sinon la formule. 2009, congrue à quoi 2009,
نحب نشوفوها نحن عندنا النافذه تتحط مع هذوما والا مع هذوما والا مع هذوما والا مع هذوما. Vous avez compris? Donc 2009 congrue à quoi? Mode 4. Congrue à quoi mode 4? Congrue à 1, volume, mode 4. Donc, 7 à la puissance 2009 fois 8. Congrue à quoi, le de l'obnette? Donc, oui, la fin, c'est 21 ans. Donc, il y a des. Si, j'ai dit, oui. Donc, congrue à 7, mode. Z 2010 congru à quoi? À 2 mode 4. Donc 7 à la puissance 2010 congru à quoi? 49 mode 100. Congrès à combien? À 3. Mode 4. Donc, 7 à la puissance 2011. Congrès à quoi? 43. Mode 100. Donc, 7 à la puissance 2009. أي تروى مونتي كونسكيتيف كنحبوا نجيبوها السنين ولا نعرف 2019 2020 2019 2020 2021 سي بريسك لا ميم سيتياسيون زافي كومبلي 2017 باش كل سوا اكزاكت بالضبط 2017 2018 اي 2019 تمشي زافي كومبلي خاطر نفس الريست مود 4 دونك ميم ريزولتا. Donc 2010 plus 7 à la puissance 2011 congrue à quoi donc 99 mode 100 à dire c'est quoi A congrue à moins 1 mode 100. Et qu'est-ce que ça veut dire congrue à moins 1 mode 100? Alors, il existe, chacun le met, donc il existe, d'où il existe, il existe car appartenant à quoi? À Z tel que A égale à moins 1 plus 100 A. Ok? A égale à moins 1 plus 100 A. Vous avez compris? Voilà égale à, c'est-à-dire que A, ou encore, si vous voulez, ou A égale à, ou A égale à 100 moins 1. Vous avez compris? Ah, on parle de la formule, 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 on utilisant donc, on utilisant, c'est pas évident, hein? Donc en utilisant la formule du binôme, montrer que A à la puissance 100 congrue à 1 mode 100 au carré. Vous avez compris? Donc, directement, tout d'abord, je veux rappeler le formule de binôme. Qu'est-ce qu'il dit, le net ou le net? A plus B
à la puissance n, c'est quoi? Amenez déjà, finalement, ça ressemble à la théorème de Fermat. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de combinaison. Nk fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est la formule de binôme, vous avez compris. On va l'appliquer. Donc, je vais faire donc a égale à 100k moins 1. Donc, a à la puissance 100. Donc, a à la puissance 100 en violet. A à la puissance 100, c'est égal à quoi? C'est égal à 100k moins 1 à la puissance 100. Et c'est égal à quoi? La somme de k égale à 0. D'accord, les lèvres. Donc, notre alpha, il y a juste la formule de binôme à droite, féminine, jusqu'à 100. De combien? De 100k à la puissance combien? À la puissance. Ah non, tout d'abord, combinaison. S'il y a une combinaison, donc, s'il y a une combinaison, combinaison 100k fois combien? Fois 100k à la puissance à Tamara à Hajab Sita. I égale à 1 jusqu'à 100. Alors, tu allais, je voulais aller. Sinon, je fais les confusions bien en bien à coller. Donc, elle est I à la puissance combien? À la puissance fois combien? Fois 1 à la puissance combien? 100 moins i ou les hypsilon de Hobbin. Donc, c'est égal à quoi le lait de l'obnette? Donc, la somme de i égale à 1. La somme de i égale à 0 jusqu'à 100 de combinaison 100i fois 100k à la puissance i fois 1 à la puissance 100 moins i. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, l'obnette ou l'obnette? Donc, alors, qui m'amène à Fermat? Je remplace, Aoul Haja, je remplace le i par 0, je remplace le i par 0, je remplace le i par 0, qu'est-ce que je trouve lorsqu'on remplace le i par 0? On trouve 1 plus combien? Plus la somme de i égale à 1 jusqu'à combien? احنا شنو نحبوا؟ نحبوها تكون فوالا نحبوا على نحبوها تكون كونغري ا ا دونك دو اي ايكال 1 جوسكا كومبيان؟ جوسكا 100 دو كوا؟ احنا لازم نخرجوا قلت لي 100 او كاري دونك خلينا نزيد ناخذ ال ا نقول لك علاش بلس جو رومبلاس بار ا تاوي كومبينيزون شنو 100 1 جو رومبلاس لا بار ا شنو تعطينا 100 هكا ولا لا fois 100k plus la somme de i égale à 2 jusqu'à 100 de quoi? De combinaison 100i fois 100k à la puissance combien? À la puissance i. Ok? 100k à la puissance i. Et c'est égal à quoi, Ejma? Et c'est égal à 1 plus combinaison 100. Enfin, pour le combinaison 101, à quoi t'égale combinaison 101? Bien sûr, c'est égal à 100. 100 fois 100, ça nous donne 100 au carré fois 4. Pourquoi? Parce que tout simplement,
combinaison. Autant vous avez besoin de la croix comme il faut faire le proba. Combinaison sont 1 c'est égal au 100 plus la somme de k. Maintenant, la somme de i égale à quoi k? La somme de i égale à 2 jusqu'à 100. Je n'ai pas dit. Je tout simplement 100. Vous voyez que 100 k au carré. Au 100 au bar, quelqu'un est pour 100 au carré. 100 au carré. Je sens au carré. Le tableau 100K. 100K au carré. La somme de I égale à 1. De I égale à. De I égale à combien? De I égale à 2. Jusqu'à combien? Jusqu'à 100. De combinaison 100I. Fois combien? Fois combien? Fois 100K à la puissance combien? À la puissance I moins 2. Ramène le produit, les amis. Ramène le produit, les amis. Si on multiplie, on insère, on rajoute un hache qui ne dépend pas de I, de barra, et on a le droit. Même si on a le droit, on a le droit. باش كي نعمل اي موان 2 ما يصيرش حتى تكر باش كي نعمل اي موان 2 ما يصيرش حتى تكر علاش بدينا من اي قال 2 خاطر باش كي نعمل اي موان 2 ما يصيرش حتى تكر اون بوني تا ترى برا بدل الاي بال 2 ريان سو سونج هذه باش تولي على بوسون 0 سي تي قال دونك وهذه هي دونك كومبينيزون سون اي هذاك سي تان مونتي دونك ريلاتيف دونك سي غاني باسكو انا تروفي سون au carré en facteur. Vous avez compris? Bon, ça y est, 100 au carré en facteur. J'ai bien un même rouge de la théorème de Fermat, donc le charge 100 au carré, sur Adana. Enfin, c'est à quoi l'aide? Donc, il y en a 1 plus 100 au carré, facteur de quoi? K plus 100. K au carré, la somme de I égale à 2 jusqu'à 100 de combinaison 100 I fois 100 K à la puissance I moins 2. هذا كان تحب شنو نسميوه يا البنات والاولاد نسميوه كابرين عفوا تقال كابرين دونك يعطينا 1 بلس 100 او كاري فوا كابرين 1 بلس 100 او كاري فوا كابرين Et féminin, je n'ai 1 plus 100 au carré fois K prime avec K prime appartenant à Z. Mais là, je suis pour l'année. Donc, A à la puissance 100 congru à 1 mode 100. Vous avez compris? Mode 100 au carré, ça a été validé. Ok? Donc, le dernier question de notre exercice, déterminer les quatre derniers chiffres de A à la puissance 100. Les quatre derniers chiffres de A à la puissance 100. Est-ce que vous pouvez lui dire que vous avez dit ben, je vais prendre A à la puissance. A à la puissance 100. Congru à quoi? Congru à A mode 10 000. Ok? Donc, les quatre derniers chiffres
les quatre derniers chiffres, donc les quatre derniers chiffres de A à la puissance 100, 100, je connais mes gens, allez, je dis, on a fait la 0, 0, 0 et 1. Ok, voilà tout ce que j'ai dans cet exercice. Et voilà, je vous remercie beaucoup.